La vie de soliste n'est pas une vie très facile, très saine aussi. On passe par des hauts, des bas. Et c'est sûr que j'ai passé des moments très difficiles où j'avais envie de tout lâcher, faire des frites ou devenir un chauffeur de train. J'aimerais re-souhaiter la bienvenue à Céline Chen, qui est un peu une des stars de ce grand festival important. La musique ancienne, elle permet quand même d'y mettre beaucoup, beaucoup de choses personnelles. Ça donne des choses merveilleuses parfois, à part passer n'importe quoi. À vos souhaits. C'est mieux maintenant que plus tard. Sans rigoler, la maison pour moi, là où je me sens vraiment le plus chez moi, c'est sur la scène. J'ai commencé le violon parce que quand on est sur scène, on éprouve une intensité qu'on n'a pas ailleurs dans la vie. Par rapport à l'accordéon, ça n'a pas toujours été facile pour moi de supporter le regard de mes camarades quand j'étais plus jeune. Et puis finalement, c'est devenu une force après de jouer cet instrument fabuleux. Quelle élégance, où elle est quand tu danses ainsi sur cet air qui me rappelle les beaux jours. C'est un musicien hors pair. Pas lui dire, hein, parce qu'après, sinon, sur la grosse tête, on entend. Non, pas lui. Et c'est quoi ton rêve secret? Tu voudrais quoi, toi? Être un grand violoncelliste. Je pourrais plus chanter ça, je vous le dis à tous, je pourrais plus. Oh! J'arrête. Je me retourne. C'est peut-être aussi grâce aux jeunes solistes et grâce aux expériences d'enfance qu'on se rend compte que être sur scène, c'est une expérience magnifique. Ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce concours, je ne serais peut-être pas violoncelliste. C'est à partir des jeunes solistes que j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être pas juste une passion, mais un métier aussi, je pense.